C'est bon, ici il devrait pas me trouver normalement. Enfin je dis bien normalement car je suis vraiment sûr de rien. Là tout de suite j'ai pas la tête à réfléchir, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir le plus loin possible et pourtant je sais bien que non, c'est pas possible. Il est quelle heure, il est... Je sais pas, je vois rien, je vois rien du tout. J'ai perdu mon téléphone en courant. La seule chose qui me reste, c'est ce vieil enregistreur qui... Ben, putain, pourquoi je l'ai ce machin-là Ça sert à rien, ça sert à rien du tout, oui, enregistrer ses promenades, oh, c'est génial, j'ai trouvé telle ou telle chose dans les bois, mais d'accord, mais c'est pas moderne, on peut rien faire avec ça Putain de côté nostalgie, putain de rétro, putain de... Oh bon, c'est pas grave. Au pire, si je l'ai, eh bien, eh bien, je vais raconter mon histoire, et si quelqu'un tombe dessus par hasard, eh bien, au moins, au moins ça servira à quelqu'un, je l'espère et comme un idiot, j'ai complètement oublié d'enregistrer depuis tout à l'heure. Mais quel tocard bordel J'avais une preuve de de tout ce que je vais dire, tout toute mon histoire. J'avais une preuve concrète que c'est vrai, et je l'ai même pas enregistré. Mais quel abruti pas fini que je suis Qui au monde part comme ça, se faire emmerder la vie par quelque chose, et au final C'est bon, c'est bon. Je me calme. Je vais raconter, et puis vous comprendrez. Ça ira plus vite. Je suis désolé d'avoir de crié, car c'est vrai que ce vieil appareil est peut-être un petit peu... Comment dire Un petit peu pas top niveau qualité du son, alors peut-être que vous avez entendu un... Quand j'ai crié, je sais pas du tout, je sais pas, je, je ne m'entends pas quand je m'enregistre, et j'ai sûrement pas m'amuser à mettre pause, rebobiner la bande, pour vérifier si j'ai bien articulé. Non, 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 non. C'est bon, on va en rester là, et puis, puis je vais vous raconter. Au moins comme ça, ça sera fait. Allez, c'est parti. Alors, je m'appelle David... Et, et comment dire, je suis, j'allais dire un ermite, mais non, non, pas à ce point là, faut pas abuser. Non, j'aime bien la solitude, la tranquillité. Disons que, oui, certains d'entre vous appellent ça le gamer solitaire. Non, non, pas du tout. Je suis pas un grand fan de jeux vidéo. J'aime être tranquille chez moi, c'est tout. Non, je n'ai pas de problème psychologique ou autre chose. Non, non, c'est juste que j'aime la paix. Je suis désolé si ça vous paraît complètement stupide et lourd, en plus que je m'excuse, et surtout que je me justifie. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut être dur dans ma vie, comme ça d'aimer la solitude. Quand vous êtes jeune, on vous regarde bizarrement parce que vous êtes à l'écart des autres enfants. Lorsque vous êtes adulte, on vous regarde encore plus bizarrement car vous ne voulez pas sociabiliser avec vos collègues de travail, entre guillemets bien sûr, car ils sont tous là pour vous cracher dans le dos. Ah oh tiens, il n'est pas là David, alors si on parlait de lui, mais il est où oh, Il est à sa voiture, il veut juste souffler un peu, se reposer de cette vie de travail. Et non, il n'a pas spécialement envie de revoir vos gueules lorsqu'il a un petit temps de pause. Je suis désolé, je tourne autour du pot et ça n'a rien à voir avec cette histoire, mais... Je suis vraiment vraiment obligé de, de vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis foutu dans une merde pareille. Beaucoup d'entre vous iront se dire mais bon sang, pourquoi il est allé là-bas C'est complètement stupide. Reste chez toi, va voir ta famille, c'est tout à fait normal. Oui, je sais, c'est normal, je sais. Surtout que ma famille, c'est les seuls que je Bon, supporte un peu près, savent encore. Mais bon, je vais arrêter de parler de ça. J'imagine que ça ne vous intéresse absolument pas. Mais petite pensée pour tous ceux qui sont comme moi. En gros, cette mésaventure a commencé parce que j'aime bien être seul et que j'ai décidé d'aller dans les bois pendant une semaine. Oui, je sais, ce n'est vraiment, mais vraiment plus la saison. On est en décembre, il fait froid, mais voyez-vous, il y a quelque chose de spécial dans les bois. Quelque chose qui vaut très cher au magasin, et pourtant, je l'adore. Mais si, réfléchissez, on en trouve dans pratiquement tous les bois, presque tous. C'est plus ou moins petit, ah vous voyez ce que je veux dire Eh oui, des champignons. En plus, c'est la saison des morilles. Rien de mieux que les morilles pour les repas de Noël, vous ne croyez pas J'adore en avoir pour mon réveillon, mais malheureusement, vous avez vu les prix. Et là, non, désolé, mais cette année, c'était pas trop possible. Bon, je vais pas vous emmerder avec ça, mais disons que j'ai eu beaucoup, beaucoup de dépenses imprévues. Alors je me suis dit, pourquoi pas aller chercher moi-même Ça au moins c'est gratuit, et puis je serai seul pour le week-end. Alors je suis parti le vendredi après-midi, après être sorti du travail, pour pouvoir me passer un très long week-end en solitaire. Juste moi, la nature, et je l'espère aussi, plusieurs morilles. Et pour tous ceux qui se posent la question, non malheureusement je n'ai prévenu personne. Je ne leur ai dit ni où j'allais, ni ce que j'allais chercher. Pourquoi Eh bien simplement parce que tous les ramasseurs de champignons possèdent leur coin et ils ne le disent pas aux autres. C'est tout à fait normal. Avouez-le, s'il y en a parmi vous qui sont aussi ramasseurs de champignons, vous le savez, on ne le fait pas. C'est donc complètement seul et sans aucune aide possible que je suis arrivé ici, le vendredi, dans cette forêt. Au début le coin semblait tellement beau, tellement calme et silencieux. Cette grande quantité d'arbres complètement vides de leurs feuilles. Et, certes, un petit peu angoissant, mais tellement reposante. Cette nature calme, silencieuse. Quelques rares oiseaux ici et là, car la majorité d'entre eux sont partis vers le sud. La faune était presque absente. Bon, il y a encore les sangliers et les cerfs, c'est vrai. Mais, sérieusement, ils ne nous approchent pas. Donc je savais pertinemment que non, je n'aurais pas de problème vis-à-vis -vis de ça. Vendredi, je suis arrivé un petit peu tard, alors non, je n'ai pas cherché de champignons. Non, je n'avais malheureusement pas le temps. Il fallait d'abord que je marche un peu plus dans les bois, car oui, je n'allais pas m'installer devant les bois, sur le parking, plus quoi encore, les gens allaient savoir que j'étais là. Et le but du jeu pour moi, c'est justement de passer à Cognito. Je suis arrivé ici vers 17h. Le temps de marcher Il était 20h il me semble Oui, il faisait complètement nuit, et j'ai eu un peu de mal à installer mon campement. Mais j'ai toujours été très patient et très calme. Moi, je suis de ceux qui sont capables de passer trois heures sur quelque chose qui prendrait, bah allez, dix minutes. D'ailleurs, beaucoup ne supportent vraiment, mais vraiment pas ça. Une raison supplémentaire pourquoi je préfère être seul. Je me souviens que cette soirée avait été si silencieuse, si calme, si reposante. Juste une petite brise entre les arbres, qui me faisait comprendre que oui, j'étais bel et bien à l'extérieur, et aussi qu'il faisait très froid. Ça, on va pas se le mentir, en hiver, enfin, presque l'hiver, ça caille, ça caille d'or. » Mais bon, une bonne couverture, un bon feu, un petit réchaud, et c'est bon, tout se passe normalement. Mais c'est dans les alentours de 2h du matin que j'ai commencé à entendre quelque chose. Au début, je ne savais vraiment, mais vraiment pas ce que c'était. J'étais mal réveillé. Oui, j'avais réussi à m'endormir, mais cette chose faisait d'abord du bruit de... de buissons, des bruits de pas, enfin vous voyez des bruits normaux dans une forêt, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de lourd. J'avais l'impression que c'était un sanglier. Mais un très, très gros sanglier qui se promenait à côté de moi. J'ai dit des bruits normaux Non, je voulais dire des bruits normaux. Désolé, j'ai... J'ai plus la tête à ça. Mais surtout, il y avait aussi ce bruit de respiration. Non, pas de respiration. Quelque chose qui ressemble, c'est quoi, les... Reniflements, voilà. Des bruits de reniflements. Et très fort en plus. Comme si quelque chose humait l'air juste à côté de ma tente. Et pourtant, non. Je savais bien qu'il devait être à quoi 5 ou 6 mètres, grand maximum. Car oui J'entendais ces bruits de pas. Alors non, ce n'était pas possible qu'ils soient à une certaine distance et en même temps que la ma tente. Vous êtes d'accord là-dessus Oui, je l'avoue, j'avais très peur, extrêmement peur même. Je n'arrivais pas à savoir ce que c'est. Pour me rassurer, je me disais bon, oh, c'est rien, c'est sûrement quelque chose de nul. Oui, mais en pleine nuit, seul, dans une tente, complètement vulnérable, avec un bruit qu'on ne comprend absolument pas. Croyez-moi que cet instant-là, certes, on essaye de comprendre la situation, mais ça fait vraiment, vraiment très peur. Ça a duré comme cela pendant 20 longues minutes. 20 longues et interminables minutes. Au final, cette créature est partie et j'ai réussi à m'endormir mais plus de faiblesse qu'autre chose. Le lendemain, j'ai cherché partout. J'ai fait plusieurs tours autour de ma tente. J'ai cherché le moindre radis. Une crotte, des empreintes, des poils, n'importe quoi. La moindre petite trace qui pouvait me dire que oui, il y avait un animal ici hier soir et que cette chose s'est promenée, a humé l'air et... Chercher je ne sais quoi. Peut-être que c'était ma présence qui l'avait dérangée. Peut-être qu'elle avait senti mon odeur et qu'elle se disait Hum, c'est bizarre ça. Cette créature-là, à la base, elle n'est pas là. Mais je n'ai absolument rien trouvé. Alors je me suis dit Bon, j'ai peut-être halluciné. Peut-être que j'ai rêvé et. Et voilà, l'imagination, l'ambiance. Peut-être que c'était rien. Alors finalement, j'ai décidé de rester et je suis parti à ma chasse aux morilles. Et ça, je peux vous garantir que je n'ai vraiment, mais vraiment pas été déçu. J'en ai trouvé combien Au moins 200 200 petites morilles. Oui, elles n'étaient pas très grandes, mais personnellement, je les préfère quand elles sont bien fraîches. Tout ce petit monde dans un très gros panier, enfin plusieurs gros paniers, car oui, il m'en fallait quelques-uns. Et toujours un panier, c'est très important. Il faut que les champignons puissent promener leur sport. Et c'est ce détail qui m'a fait du tort. Après avoir passé toute la journée à ramasser les champignons, avec juste deux petites pauses pour dire manger 5 minutes, je suis retourné à ma tente tout fier et victorieux de ce que j'avais trouvé. Mais je n'arrivais pas à m'enlever cette idée de la tête. Cette mésaventure que j'avais eue la veille, certes, j'étais sûr et certain que ce n'était qu'un rêve, mais tout de même, c'était quand même très réaliste comme rêve. Le doute était toujours là, et malheureusement, il n'a pas voulu partir. Alors je suis resté éveillé le plus longtemps possible, et là aussi ça a été une grosse erreur. Pour rester éveillé, je me suis fait un bon feu de camp. Avec pas mal de bois en réserve, j'ai pris pas mal de boissons énergisantes, et j'ai décidé de rester éveillé le plus longtemps possible. Au pire, j'aurais fait une grasse mat le lendemain. Et comme la veille, c'est à 2h du matin que je l'ai entendu, et je peux vous garantir que j'aurais préféré ne jamais le voir de toute ma vie. Ça a commencé tout doucement. D'abord, des bruits de branches qui craquaient, des petits pas ici et là, des buissons qui bougeaient. Ça s'approchait tout doucement de moi, très très lentement, et je l'ai entendu de nouveau, ce bruit de reniflement. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais c'est comme lorsque quelqu'un hume l'air, mais très bruyamment. Cette chose s'est rapprochée de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle passe à côté de mon feu. La lumière de celui-ci a pu l'éclairer, et c'est là que je l'ai vu. Cette chose, on aurait dit un sanglier, mais en beaucoup, beaucoup plus grande. Enfin, sanglier. Plutôt la couleur et les poils, oui, ressemblaient à un sanglier. Mais comment vous dire Essayez d'imaginer le mélange entre un sanglier et un paresseux. Cette créature avait les poils, la couleur du sanglier, mais la forme du paresseux. De longues pattes avec d'immenses griffes qui avançait tout doucement sur le sol. Elle possédait une très très longue mâchoire qui se terminait avec un genre de groin, comme celui d'un sanglier. Je ne sais pas si elle essayait de passer à Cognito ou alors qu'elle s'en fichait de ma présence. J'en ai aucune idée. Mais vu comment elle ne cessait de humer l'air, je sais qu'elle savait que j'étais là. Waouh, c'est compliqué à dire, désolé. Mais je savais qu'elle était au courant de ma présence. Mais visiblement, elle n'en avait que faire. Elle cherchait quelque chose de très précis. Elle a rampé comme cela jusqu'à mon panier de champignons et y a plongé sa tête. Il lui a fallu deux minutes pour tout dévorer. Et là, j'étais partagé entre plusieurs émotions. La peur, évidemment. La fascination, car cette créature était. bizarre. Extrêmement bizarre. Je ressentais aussi un peu de soulagement, car je me suis dit Ah, ça va. C'est pas après moi qu'elle en veut, c'est pour mes champignons. Et là, j'étais aussi un peu dégoûté d'avoir tout perdu. Mon repas de Noël qui partait comme ça devant moi. Eh ben, plus qu'à tout recommencer. Juste avant de finir son repas, elle a ouvert grand la bouche. Vraiment très, très grande. Peut-être qu'elle avait mal ou je ne sais quoi. Et c'est là que j'ai pu voir ses dents. Elle avait littéralement la dentition d'un crocodile. Des centaines et des centaines de petites dents, tous collées les unes aux autres, prêtes à broyer n'importe quoi. En voyant ça, je me suis dit, oula, cette créature mange vraiment que des champignons Mais ses dents ne sont pas conçues pour. Ça se voit. Apparemment, cette créature doit être omnivore ou je ne sais quoi encore. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir car... Je vous rappelle qu'à ce moment, j'étais complètement terrorisé sur ma chaise et je n'osais absolument pas bouger. Ah oui, un autre détail sur cette créature elle n'avait pas d'yeux, aucun, rien du tout. Je pense que cette créature est complètement aveugle. C'est pour ça qu'elle avançait tout doucement et qu'elle humait l'air comme cela et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de faire beaucoup de bruit. C'est parce qu'elle ne voyait pas où elle allait poser ses pattes. Elle ne pouvait pas s'empêcher de tout toucher le décor pour être sûre qu'il n'y avait pas un obstacle ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai essayé d'être observateur. Forcément, avec une créature pareille devant vous, qu'est-ce que vous voulez faire Et pourtant, je me suis retenu de ne pas m'évanouir. Oh là là, heureusement que j'ai réussi, car vous allez comprendre pourquoi. Quand son repas de champignons fut fini, elle s'est tournée vers moi et a commencé à humer l'air encore une fois. Elle a avancé tout doucement dans ma direction. Je me suis bien sûr demandé, mais qu'est-ce qui lui prend Je suis pas une morie, pourquoi est-ce qu'elle avance comme ça Et c'est là que je me suis dit, et c'est là que je me suis souvenu d'une chose. J'avais transporté mes champignons toute la journée, dans un panier, et leur sport... Ils se sont dispersés, et où est-ce qu'ils ont atterri à votre avis Sur moi. Nous on ne ressent qu'une légère odeur de champignon, mais je suis sûr que cette créature aurait été capable de les sentir à plusieurs centaines de mètres. Je savais parfaitement que je devais partir. Je ne pouvais pas rester là. Cette créature croyait que j'étais un champignon géant. Elle m'aurait dévoré. Mais j'avais peur, tellement peur. J'arrivais pas à bouger de ma chaise. Alors, je ne sais par quel miracle, j'ai réussi à me lever, et cette créature a été surprise de mon geste. Elle s'est stoppée net au moment même où j'étais debout. Je pense que c'est la première fois de sa vie qu'elle ressentait un champignon qui essaye de se faire la malle. Alors je me suis retourné et j'ai couru. J'ai couru le plus vite possible. Puis j'ai entendu ce cri. Cet horrible petit cri aigu. J'ai d'abord cru qu'elle était en colère et qu'elle me le faisait comprendre. Puis je l'ai entendu courir. Courir extrêmement vite. Tout en continuant à pousser ses petits cris aigus. Oui, plusieurs d'entre vous l'auront sûrement compris. Cette créature devait utiliser de l'écolocalisation pour ne pas se prendre un arbre. Elle a tapé un sprint si rapide. Que j'ai bien cru qu'elle allait m'avoir. J'avoue que je me souviens plus vraiment de ce que j'ai couru, ni ce que j'ai fait d'ailleurs. Je me souviens vite fait être sauté par-dessus un arbre mort, me faufiler peut-être quelque part, je ne sais plus. Je sais plus du tout. La dernière chose que je me rappelle, c'est d'avoir enlevé mon pull à toute vitesse et de lui avoir jeté. Cela l'a apparemment calmée, car elle s'est jetée dessus comme un lion qui se jetterait sur une carcasse d'animaux. Puis j'ai continué à courir jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je suis tombé sur cette genre de petite grotte ou je ne sais quoi encore ce que c'est. Et j'ai décidé de m'y reposer un petit peu. Et là, je suis là, en train de vous raconter mon histoire avec ce vieil appareil. Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu mon téléphone durant la course, et personne ne sait que je suis ici. Ça ne sert à rien que je reste là à attendre les secours. Je sais pertinemment qu'ils ne viendront pas. Ni ma famille, ni mes collègues de travail. Personne. Je suis seul, avec cette créature. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est comme ça Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Enfin, j'espère de plus jamais la voir, mais pensant, ça me fait peur. Vous savez ce qui fait encore plus peur que de voir une créature monstrueuse. C'est de savoir qu'il y a une créature monstrueuse, mais de ne plus la voir. Là, je ne sais vraiment, mais vraiment pas où elle est. Et ça me terrifie des plus hauts points. Elle pourrait venir à n'importe quel moment. Elle pourrait réclamer son dû, et me déforer sur place. Ou alors, peut-être que je n'ai plus de sport de champignons sur moi. Peut-être que ça y est, elle va me fichelaper. Bon, ça, je n'y crois pas vraiment. Les moris dégagent beaucoup, beaucoup de sport. Il faudrait que je retire tous mes vêtements et que je me lave. Mais non, hors de question que je me promène tout nu ici. En tout cas, si j'arrive à sortir d'ici un jour, c'est promis, plus jamais je ne retournerai dans ces bois tout seul, et plus jamais de ma vie je ne mangerai des moris pour Noël. Eh tiens, j'y pense, si je prenais des objets sur le sol, il y a de la mousse dans cette grotte, et des espèces de feuilles mortes ou je ne sais quoi encore, et c'est. Oh, oh il y a un cerf qui est passé par là. Oh, et maintenant, non, justement, ça pue, ça tombe bien. Je vais m'en mettre partout sur moi. Allez, c'est un peu ragoûtant, mais au moins je sais que cette créature. Ne me suivra plus si je n'ai plus l'odeur des morilles. Là un petit peu plat, comme ça. Là, ça devrait être bon. Là, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, elle peut venir. Normalement, elle ne sentira plus mon odeur. Et oh merde, justement, elle arrive. Oh bon sang, quand on parle du loup, on y voit la queue. Là, je peux plus fuir, c'est trop tard. Si je sors, elle va m'entendre et elle va me courser encore une fois et j'aurai plus rien à lui lancer. Allez, je ne bouge pas, je reste calme. Je suis sûr que le crottin de chevreuil, ça va dissimuler mon odeur. Allez, je croise les doigts, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne me regarde pas, ne me regarde pas, pas, ne me sens pas, ne me sens pas, ne me sens pas, s'il te plaît.